Bonsoir, aujourd'hui c'est mardi 17 avril. Rien n'empêche le régime syrien de mener une nouvelle attaque chimique demain. Pour Olivier Lepic, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, il y a une différence entre la notion de réussite politique et la effectivité opérationnelle sur les terrains. Devant les députés, lundi 16 avril, le Premier ministre Édouard Philippe est venu affirmer que l'opération militaire menée par la France, les États-Unis et la Grande-Bretagne le 14 avril avait été un succès opérationnel. Mais pour Olivier Lepic, chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique, il y a une différence entre la notion de réussite politique et l'effectivité opérationnelle sur le terrain. Quelques heures après les frappes menées par les forces américaines, britanniques et françaises en Syrie, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a affirmé samedi 14 avril qu'une bonne partie de l'arsenal chimique syrien a été détruit. Dans l'opération contre trois sites dans un centre de recherche, peut-on être aussi affirmatif? C'est très important de l'être. Il y a une différence entre la notion de réussite politique et l'effectivité opérationnelle sur le terrain. D'abord parce que le régime syrien connaissait depuis un certain nombre d'heures les cibles des frappes. S'il y avait effectivement des stocks précieux pour le régime, il paraît peu crédible que celui-ci n'ait pas évacué, au moins partiellement, les sites. Surtout parce que la plus grande partie de la centaine d'attaques chimiques menées par la Syrie depuis le début du conflit ont été faites avec du chlore. Il n'est pas un agent chimique militaire sur la liste de la OIAC, Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, mais un agent toxique industriel peut l'un peu être transformé ainsi de suite en arme chimique rudimentaire. Or, le chlore est trouvable partout dans les commerces. C'est donc impossible de dénier un état de les droits de posséder, en encore un moyen de supprimer tous les stocks d'un pays. Aujourd'hui, la Syrie a donc toujours la possibilité de mener les attaques chimiques contre sa population. Si ce n'est la disposition diplomatique, rien n'empêche le régime syrien de mener une nouvelle attaque chimique demain, de manière très simple, avec du chlore, puisqu'on trouve dans énormément de produits du quotidien. Tout est ensuite une question de dosage. Concernant les autres agents toxiques, et notamment des neurotoxiques, tels que les gaz sarin, on sait que les Syriens malgré son engagement à détruire son stock sous le contrôle de la OIAC en 2014, a toujours des réserves. Il y a eu des preuves d'une utilisation des bruits, notamment à Khan Cheikhoun en avril 2017, ainsi que des incohérences de la part du régime sur son arsenal militaire. Le stock résiduel syrien a été évalué par les services de renseignement à une trentaine de tonnes. On ne sait pas précisément où se trouve ce stock. C'est possible qu'une partie trouve dans le site visé par les frappeurs occidentaux, mais quelques dizaines de litres de gaz sarin suffisant à provoquer d'importants dégâts dans les populations civiles. Donc, il est hautement improbable que le régime syrien n'ait plus de capacité d'attaque. Certains affirment qu'il n'y avait pas d'agents toxiques stockés sur les sites visés car il n'y a pas eu de nuages toxiques. Et c'est un argument crédible? Faire croire qu'il n'y aurait peu d'agents toxiques sur ce site parce qu'il n'y aurait pas de rejets dans l'air
c'est tendre une réalité technique. Dans un intérêt politique, cela fait partie de la longue liste des fantasmes complotistes qu'il a publiés sur les dossiers syriens. On parle ici des produits extrêmement fragiles, très sensibles à haute température, pour lesquels la très forte chaleur dégagée par l'explosion des missiles est donc destructive. Quand bien même il y aurait en eux un stock très important, le dégagement aurait été très, très modéré. Je pense que la situation en Syrie est catastrophique. Avec les attaques de France, des États-Unis, des Grands-Bretagne et aussi des Russes, la situation de la guerre de Syrie est pour moi une situation sans contrôle. Je pense que la guerre en Syrie continuera durant malheureusement beaucoup d'années. Parce que les États-Unis veulent le pétrole de la zone, veulent contrôler la zone, qui est très importante de l'Orient prochain. Ils disent que le gouvernement syrien est un régime destructif, c'est vrai. Malheureusement, le peuple souffre la situation des attaques chimiques tous les jours, chaque jour, pardon. Je suis triste parce que en 2017, j'ai lu la situation des sacs camps de la cité de Kram, beaucoup d'enfants, beaucoup de gens morts, en mort. Et je pensais qu'il serait la ultime fois qui la dernière pardon dernière fois que d'une attaque chimique contre le peuple syrien. Mais je veux que la situation en Syrie est compliquée. Et malheureusement, les civils à être morts. Je ne sais pas, pardon, j'ai perdu les mots. Mais je pense que la situation est si bien que je pense que Russie et États-Unis sont grands ennemis. Et Syrie est un parfait lieu dès que Russie et États-Unis peuvent commencer une guerre. Les gens innocents, c'est un lieu équivoqué. Et là, tu reconnaîtras. Et les enfants ont perdu la vie, ont perdu la liberté, la liberté, ont perdu la vie, ont perdu. Tout. Puisque les mots changent pas la vie. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez voir apprendre français à parler avec mon français, venez ici à Classe pour les idiomas, où nous pouvons faire classe de français avec par Skype, une quelques lieux en mots. Partagez cette vidéo avec tes amis, ta famille, à tout le monde, s'abonner à ma page, donner like à ma page sur Facebook et s'abonner à ma chaîne sur YouTube. Merci beaucoup mes amis en France, mes amis en différents pays ou par français. Merci beaucoup et à demain avec autre nouvelle intéressante. Bonne nuit, mardi et à bientôt, à demain. Merci. Piloté.
Conseil des États s'est accordé pour bannir les armes chimiques, puisqu'elles sont systématiquement l'instrument d'un crime de guerre. Sous forme gazeuse ou liquide, elles se répandent au-delà de la zone des combats, persistent après le temps des combats et touchent indistinctement les combattants et les civils. Il ne s'agit plus d'une guerre sale, d'une guerre déloyale, mais de scènes apocalyptiques que le régime syrien a réactivées. Avec les armes chimiques, c'est la raison et la civilisation qui vacillent durablement. L'utilisation de l'arme chimique dit quelque chose de celui qui y a recours. Et mesdames et messieurs les députés, notre réaction à cette utilisation dit quelque chose de nous. La France a confirmé son statut de puissance politique et militaire. Ses armées, avec nos alliés, sont intervenues avec rapidité et efficacité, tout en assurant des garanties nécessaires pour protéger les populations civiles. Pour autant, cette intervention n'est pas le prélude à une guerre. Nous n'entrons pas dans une logique d'escalade. Nous avons frappé les capacités chimiques du régime, et non les alliés du régime, malgré nos divergences de vues, lesquelles sont claires. Le président de la République continue à dialoguer avec ses homologues, car nous ne voulons pas renoncer à la seule option qui soit porteuse d'avenir, la solution politique. Jardin, un quartier.